on est reparti sur Omori. On s'est arrêté où? Ah oui, on s'est arrêté dans l'autre monde. L'espèce d'endroit un peu dans les étoiles, dans l'espèce d'autre galaxie. On a battu notre premier vrai boss et c'était pas de la tarte. Et on cherche toujours Basile, hein, toujours aucune news de Basile. Et c'est tout, je crois. Hein. C'est tout. Ça doit être celle-là, s'il me propose celle-là. Oui, oh, il est intelligent. C'est celle-là, ok. Chargeons cette sauvegarde. Faut que tu level up tes persos. Oh, pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, de l'eau pour les chavaux. Il y a toujours mes amis qui sourient chaleureusement derrière moi. Du coup, ah oui! Ah oui, rappelez-vous, on s'est arrêté sur. La musique est pas trop forte, ça va? Pour être forte. On s'est arrêté sur Marie qui nous disait: Tu n'aurais pas un indice pour savoir où chercher Basile? Et moi, j'étais en mode: Bah, lol, non. Et voilà. Et du coup, je sais pas du tout où aller. Bon, on va peut-être explorer un peu cet endroit, je pense, hein. Parce que du coup, on a fait la décharge, mais il doit y avoir d'autres trucs. Genre par là, peut-être. Par exemple. Alors. Lac de l'autre monde. Chip, chip, chip. Décharge. Alors, décharge, on l'a fait. Pop, 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 pop. Oh, merci beaucoup, Banshee. C'est adorable. Quelle générosité. Merci. Merci pour tes deux subgifs. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Par rapport à Mori, c'est pas le même bruitage que pour Mermaid Swamp pour les touches. Ah, peut-être. Mais il y avait un petit gloop-gloop pendant Mori. Pendant Mermaid Swamp. Oh, il y a un truc là. Soda. Je vais baisser un peu le son. Ça, c'est pas trop fort pour vous? Si t'as mis de l'espace, ouais. Il était cool le boss. Il était bien cool. Ah, c'est pas. C'est une pastèque qui mord. Alors, est-ce que je me rappelle comment on joue? Attendez, je revois un peu les aptitudes. On a le poème, on a le tranché de pain pour achever. Ah oui, ça c'est nouveau. Se moquer. Inflige des dégâts si l'ennemi est énervé, réduit considérablement son attaque. Et je peux poignarder, ouais. Ok. Et là, il est triste. Là, il est triste, mais moi, je suis pas triste. On va attaquer. Il est triste, du coup il va faire mal. Bah, c'était un BG, ouais. On peut parer. Tous les ennemis ciblent Aubrey pour un tour. Ah oui. On peut mettre un petit coup de boule. Bon, pour un ennemi, on a peut-être pas besoin. Je révise un peu mes aptitudes, hein. Vous voulez pas. Ça c'est le rebond. Ah oui, puis je peux faire gonfler mes muscles. C'est vrai. Vas-y, on va faire gonfler mes muscles. J'aurais peut-être dû lui enlever son émotion. Parce que là, du coup, il perd plus du jus. Eh ouais. Il perd pas de vie là, l'ennemi là, c'est chiant. Alors attendez. J'ai quoi dans les gadgets? J'ai les osselets. Élastique cadeau. Rends tous les amis énervés. Alors. Ouais, il a perdu un peu de vie quand même. Il a contracté tout à l'heure, ouais. Ouais. Donc là, il va faire plus mal. Et là, on va faire masser. Je te masse. Comme ça lui enlève l'émotion. Moi aussi, j'adore cette musique, elle est trop bien. T'avais trouvé un donut, je crois. Tu as un oiseau qui te bloque le passage. Attends, je vois pas le rapport entre les deux. Ça y est, elle se calme, la plante. Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, y a peut-être moyen là. Ah oui. Mais le donut, c'était quoi déjà? Je sais plus. Allez, ça c'est plié. 90 dp, 15 palourdes. Ah, cette agression! Ah oui, lui, il fait pop des ennemis. Faut faire gaffe. Petite enfoirée. Tiens, allez, je te poignarde direct, ça ira plus vite. Allez, bim, 31 de dégâts. 36 de dégâts. Il va pas s'en remettre là, 37. Ah, il est même pas mort. Oula, mais Aubrey. Ah oui, Aubrey, j'ai oublié de la soigner, ouais. J'ai un peu omis ça. Bon. De toute façon, faut tuer lui d'abord. Ah, attendez, on peut peut-être tenter la tranche de pain. Je sais pas si ça va passer. On va peut-être parer là. Et toi, tu vas cuisiner pour Aubrey. Allez! J'ai gagné tranche de pain. Et bah voilà. Ça va, je commence à mieux me débrouiller sur les combats quand même. Non? Si. Si, quand même. Oh, il y a quelqu'un là. Oh, mais c'est pas le fils de l'autre. Canard Junior, si, on devait le retrouver lui. Les étoiles sont vraiment belles, hein. Je peux vraiment me perdre en fixant le ciel comme ça. Sur ma planète, on peut difficilement voir la moindre étoile. Quand je serai grand, je serai capitaine spatial. Comme ça, je pourrais avoir cette vue tout le temps. Oh mince, ça fait combien de temps que je suis ici? Maman et papa devraient être morts d'inquiétude pour moi. Je ferais mieux de rentrer rapidement à la maison. Et bah voilà. Ça c'est quoi? Un sac de transport stylé. C'est quoi ce truc? Allumer la radio cassette. Calme-toi. Gros bras festif. Ok, il a rien à me dire. Boisson énergisante stylée. Tout est stylé. Verre de soda stylé. Ok, au revoir monsieur. Stream élément qui dit que maintenant que je suis en live. Ok. Randonnée rigoureuse m'a épuisé. Je ne pourrai plus sentir mes jambes demain, ça c'est sûr. En notre randonnée, j'ai remarqué un visage découpé dans une falaise. Je me demande de quoi il s'agit. Ah. Oh non, 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 non. Fous-moi la paix. Ah, ça, je peux couper ça. Oula, mais il y en a beaucoup. Pourquoi il y en a autant? Ah, bah, il y a un visage là. J'ai trouvé sans le vouloir. Visage particulier découpé dans le mur. Tu n'es pas sûr de ce qu'il signifie. Ah ok, donc je peux rien en faire pour le moment. D'accord. Ma voix. Ça va être long, je sens. Et c'est un ennemi ça, non? Ah non. Qu'est-ce qu'il veut? Eh, c'est quoi ton problème? Je traversais toutes ces épreuves pour m'isoler de la société et là tu débarques et tu gâches tout. Tu ferais mieux d'arranger ça tout de suite. Ah! Tu as aidé la Topus à remettre tous les cônes de signalisation. Super! Merci! What the big ID? Succès de bruit. J'adore faire des trucs comme ça dans le vent. C'est trop bien. Genre... très très bien. C'est qui eux? Nous allons explorer. D'accord. Bon, ça c'est un monstre. Je sais pas où je vais, hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais.
Ouh, il y a un truc là. Message dans une bouteille. Veux-tu le lire? Oui. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de Domori. Les démons d'Omori. Tu as terminé le message, tu as jeté la bouteille dans le lac. Ok. Mais oui, c'est Domori. Ça va trop bien. Glaiseux, terreux, terreux. Terreux, glaiseux, et glaiseux. Ok. Pourquoi pas. Non, on refuse de s'entraîner, mais si, regarde derrière. S'entraîne, on s'entraîne. Go XP. Mais j'XP tout le temps. Bon, lui, il fait pas très mal. On avait demandé une chanson, une bague nulle. Non, non, c'était gratis. Mince, j'ai toujours pas soigné. Mais si, j'avais soigné tout à l'heure, non? Non, mince alors. On va peut-être éviter de faire ça. Je vais la soigner un peu. Hein. $64 de dégâts. Ah mais du coup elle a toujours pas eu le temps d'être soignée. 90 XP, allez. Vous voyez, j'XP. Et j'ai une confiture de vie. Trop bien. Ça valait le coup. Et je vais pas tous les faire non plus. Oh, c'est un lapin de l'espace, il est trop mignon. Là, je retourne à la décharge, non? Aïe. Oh, il est en colère. Ouh là, il est vénère. Attends, il y a pas un truc avec les vénères, là? Je vais me moquer. Je me moque de toi. Parce que t'as pas de patte arrière. Enfin, il a pas de patte du tout, en fait. C'est un chasse... Un lapin saucisse. C'est un lapin saucisse. ASMR. Tamel, il faut qu'elle se soigne quand même. Écoutez. Elle mange du pain. Oh. Je me suis moqué de lui. Aubrey, enfin soigné. Oh. On lui a fait si mal. Je crois que mes persos commencent à faire un peu de dégâts. Alors, c'est quoi ça? Télescope étincelant. Veux-tu observer le paysage? Bien sûr. Oh, c'est trop pipou. Il y a sûrement un truc à trouver. Ah. Il y a une araignée. Mais non. Coucou Daphodil, tu vas bien? Lapinou, c'est le lapinou saucisse. Il y a une araignée là. Sur la lune. On en parle? Je veux pas croire qu'il y a rien à trouver. Ou alors il me manque un indice. Peut-être. Ah, zut. Oh, coucou Luna, ça fait longtemps. Tu vas bien? Aïe. Bon bah, un autre lapin ou le saucisse. On va lui éclater sa maman. Allez, il est mort. Il est mort, il est mort. Regardez, hop. Sans les mains. Chris, il va bien. Alors, tu t'es pas mis à Hogwarts Legacy? Alors, non. Parce que le jeu, il coûte cher, sa mère. Et que... À l'aide. À l'aide. Sans les mains.
Non, peut-être plus tard, je sais pas. De toute façon, je pensais pas forcément le streamer. J'avais proposé, j'en avais déjà un petit peu parlé en live. Les gens avaient pas l'air ultra chaud, ce que je peux comprendre. C'est pas de l'horreur, ça va être très très long. 60 XP. Et puis le truc, c'est que là, tout le monde le stream en fait. Tout le monde. Donc je pense que ça va un peu vite gonfler les gens. Donc j'y joue de mon côté, ouais, voilà. Je pense que je vais attendre un petit peu quand je pourrai le prendre. Et puis ça me fera un petit jeu en dehors des lives, parce que c'est vrai que j'en ai pas forcément. C'est vrai que je pensais faire au moins le tout début avec vous, mais même ça, quand j'avais posé la question en live la dernière fois, il y avait une moitié de gens quand même qui étaient moyen chaud. Donc du coup, ouais, je pense pas que voilà. Mais je vois tout le monde en parler, c'est chiant de ouf. J'ai des frites. C'est hyper frustrant qu'il y ait tout le monde qui en parle, c'est relou. Du coup, c'est un combat tous les instants pour pas se faire spoiler des trucs. Mince, je sais que j'ai laissé mon donut quelque part dans le coin. On n'a pas parlé d'un donut ? Tout le monde le fait, donc. Déjà que perso, comme beaucoup, je suis pas chaud, mais tout le monde le fait déjà. Ouais, bah ouais, non. Non, mais en vrai, moi j'ai posé la question comme ça pour... comme ça en fait quoi, pour savoir si ça vous intéressait, mais vous inquiétez pas, je le prends, non j'ai pas envie d'acheter, je le prends pas du tout mal que vous ayez pas envie de voir ça en stream, hein. Y a aucun souci, je comprends totalement. Est-ce que tu aimerais faire du moonwalk? Et du coup on marche en arrière, bah oui c'est du moonwalk, bah oui. Je suis Michael Jackson, regardez. Ouais. Incroyable. Il y a une porte là. Je peux la regarder. Oh boy Jackson. Incroyable. Incroyable. Je suis très content d'avoir vu ça. C'est quoi ça? Quel mot de passe? Oh, j'ai pas de mot de passe moi. Pas de mot de passe, pas d'entrée. Ah mince. Voilà, mais il y a l'air d'avoir moult trucs cachés et tout quoi. Ah, d'être un truc de ouf. Mais non, attends. Ah oui, non, mais il y avait un. Ah. C'était moi la paix. Coucou Guillemus. Non, par contre, un jeu que j'aurais bien voulu faire en stream, ça aurait plus été Dead Space, le remake. Ça aurait été plus intéressant, mais... il faut un budget jeu avec tous les jeux qui sortent. Laissez tomber, quoi, là, c'est... abusé, puis au prix qui sortent, à l'aide. Surtout au prix. Ben, ah, il est triste. Attends, je vais te masser, tu vois. Vas-y, il aura 40 ans quand on le retrouvera. Et ouais, y'a moyen. Ou alors il sera mort depuis 1000 ans. Putain, il perd du jus. Tiens, je te masse. Biscotte? Oh non! Non! Ah bah, de toute façon, j'allais pas le. Ah bah, attendez. Du coup, on va faire. Est-ce que j'ai un truc pour... du carton mou. Ah oui, le tofu, ouais. Un peu. je peux être que d'accord. On a des ramen. Bon, les ramen. J'ai envie de ramen en ce moment, mais tout le temps. Ah oui, j'ai un donut, ouais. Jus de pomme, voilà. Pardon. Il est toujours pas mort? Ah, elle croque dans le vide. Eh bah alors. Tranchée de pain? Ça va pas passer, je pense, hein. Je pense que ça ne va pas passer.
mon pain. Rendez-moi ma biscotte. Bon, moi j'ai gagné 90 d'XP. J'arrive à me sortir tranquillement de la vilaine. Ah bon, bah tant mieux. Ça, c'est cool. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'espère que tes loulous vont bien. Ton loulou ? Ah, il y a un seul loulou, non ? J'en doute. Coucou Alexis. Je reste, mais discret, parce que demain, boulot. Pas de soucis, t'inquiète pas. On est sur Omori, de toute façon, c'est tout chill et tout. Le remake est fou comparé à la première, mais très cher, oui. Oui. Mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment bien. Apparemment, ils ont pas juste... Bah déjà, Dead Space, c'était vraiment cool à l'époque. Mais c'est pas juste genre, ils ont pas juste amélioré vite fait les textures, apparemment ils ont tout refait bien beau, bien propre et tout. Donc j'ai vu 2-3 petits trucs de mort, j'ai fait en mode, waouh, ça a l'air un peu cool quand même. Faut refaire une petite cagnotte au pire. Alors, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh mais, je me perds dans mes touches. Alors j'avoue que, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, je vais y arriver. J'avoue que si jamais vous êtes d'accord, il y a peut-être moyen que je refasse une cagnotte pour Resident Evil 4 qui sort le mois prochain. Ouais, il sort. J'ai un doute, je sais plus si c'est mi-mars ou fin mars. Et il va sortir, bon, comme tous les jeux, tous les jeux AAA, il va sortir légèrement cher. À peine 60 balles. Et celui-là, je veux absolument le faire. Autant Dead Space, je me dis, bon, bah, au pire, on le fera plus tard. C'est pas très, très grave. Si on le fait pas au même temps que tout le monde, ça évitera que tout le monde. Que je fasse comme tout le monde et tout. Autant Resident Evil 4, j'ai vraiment envie de le faire à sa sortie et tout. Donc, il y a peut-être moyen, ouais. Si ça vous va, peut-être que je mettrai une cagnotte pour Resident Evil 4. Et en même temps que Resident Evil 4, peut-être dans la cagnotte. De quoi m'aider un petit peu pour les conventions, parce que là je suis en train de batailler. Alors pour les conventions au niveau matos et tout, grâce d'ailleurs à une précédente cagnotte, vous m'avez beaucoup aidé. Merci beaucoup, j'ai vraiment, là je vais racheter une toute petite boîte, mais j'ai tout ce qu'il faut, c'est nickel, c'est trop bien, ça m'a beaucoup aidé. Mais par contre, un truc, bon, ça va se faire petit à petit, je pense que plus je vais faire de conventions, plus après je vais avoir de l'argent que je vais pouvoir mettre de côté pour les autres conventions. Mais du coup, ouais, avancer presque 6 mois de convention à l'avance du coup, c'est-à-dire payer en fait tous les stands comme ça 6 mois avant, ça fait pas l'au cul. Ah ouais, c'est... Alors autant il y a des conventions, les stands sont pas trop chers, des fois c'est 100€. Bon, c'est quand même 100 balles à sortir, mais ça va. Autant, il y en a, c'est 200, 300. C'est pas la même, hein. Ça fait pas mal au cul. Bon, c'est de l'argent, après, voilà, que je reverrai plus tard, quoi, mais pas tout de suite. Mais normalement, je les reverrai. Il y a un petit lapinou. Allez, on se fait le lapinou. Oh, c'est un lapinou des neiges. Oh, la musique est cool, hein. Ils sont la musique. J'essaye d'économiser un petit peu. Je fais plus de passes. J'économise un petit peu. Biscotte ? Ouais, biscotte. Non, mais biscotte. C'est l'heure de la biscotte. Allez. Libérons en délivrance le pinon des neiges. Au revoir, le pinou. Mais Resident Evil 4, là, j'ai un peu très hâte quand même. J'ai un peu très hâte. Financièrement, c'est galère. Ah bah financièrement, les jeux, c'est un trou quand même. Hein. C'est un trou. C'est un gros trou. Hein. C'est quoi ce truc? Il y a un gros truc jaune. Je viens de marcher dans un truc bizarre. Je sais pas ce que c'est. Si on peut t'aider, on le fait. Enfin, je parle pour moi. Moi, c'est adorable. C'est super gentil. Bah écoutez, il y a moyen que je le fasse. Ouais, j'hésitais. C'est toujours un truc que j'aime moyennement faire, je vais pas vous mentir. C'est... Vous m'apportez du soutien, déjà de manière régulière. Donc demander en plus, c'est toujours... Je vais pas vous mentir, c'est toujours gênant. Je suis moyen fan de le faire. Mais ouais, il y a moyen que je le fasse, du coup. Je pense...
peut-être d'ici la... Bah, peut-être d'ici la fin du mois. Pour Resident Evil 4, comme ça on prend un peu d'avance. Coucou. J'attends juste la prochaine grosse prise. C'est moi la grosse prise. Je peux parler à ce truc, non? Veux-tu pêcher avec tes amis? Il y a plein de mini-jeux. Héros. C'est un ennemi? C'est un topous? Tu l'as ensuite relancé dans le lac. Super. Génial. Trop bien. Et du coup? Du coup, rien du tout. Rien du tout, du coup. Nickel. Mais Dead Space, je pense qu'on se gardera pour plus tard. Comme ça, on le fera pas en même temps que tout le monde et tout. Genre, quand il y aura plus du tout de jeu à faire, au moins, on aura Dead Space. Et peut-être que d'ici là, le prix aura baissé un peu et tout. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, je vais me faire bouffer. C'était super awkward, il y a un fantôme qui vient de s'envoler. Oh, je suis chez lui. Une lanterne froide. Un lit froid sur le sol, tout est froid. Bah ouais, on est dans un igloo. Un réfrigérateur, mais pourquoi? Ok. Quelques cannes à pêche, elles ont l'air d'être utilisées souvent. Un poisson en plastique accroché au mur. Oh, est-ce que c'est un poisson qui parle? Il faut des piles. Oh, c'est ça. J'ai pas de piles. Non, il les aurait sortis, je pense. Frigo rempli de glace, mais pourquoi? Mais faut pas dire pourquoi. La soupe froide, mais pourquoi? Trou dans la glace pour rendre la pêche pratique. Attendez, est-ce que... Tu as touché au bray? Non, elle peut pas le péter, elle, non plus. Personne peut le péter. Parce que du coup, ouais, ils ont des compétences différentes. J'en ai bouffé pas mal. Ouais, non, mais on va attendre pour Dead Space. Je pense que c'est bien que qu'on fasse comme ça. Parce que là, on a déjà Omori. Bon, il n'y a pas d'autres gros jeux, mais Resident Evil va pas tarder. On a Omori qui va bien nous occuper, je pense. Il y a plein de gens. C'est bon d'avoir le capitaine de retour. Ah bah on est là où ils sont partis. Mec, j'arrive pas à croire que le capitaine nous ait payé à tous des flacones. Je suis tellement ému. Oh, flocone. Tu utilisais un bon flocone. Vas-y, hein, moi je veux des flocones. Hein. Allez. Je suis Jas, aux multiples talents et maître de plusieurs commerces. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Sonne les cœurs et le jus d'un ami et augmente chaque stat pour le combat. Ah ouais, c'est pas mal en vrai. Par contre, ça coûte cher de ouf. Ah mais il est là le capitaine. Tant de pensées et d'émotions m'ont rongé ces derniers temps. Mais cet instant-ci est très apaisant, je me sens en paix. Bon bah tant mieux. Oh bah tiens. Je sais pas du tout où je vais par contre. On se balade hein, mais je sais pas où je vais. Ouais, sur Instant Gaming, c'est toujours un petit peu moins cher. S'il y a Resident Evil 4 dessus, il y a moyen que je le prenne dessus, parce que... Des fois, il y a quand même 10€ de différence, ça fait toujours... Ça fait toujours plaisir. Oh, regardez, j'ai un chapeau. J'ai un chapeau. J'ai un chapi-chapeau. Vous pouvez, en attendant, vous inquiétez pas, je vais aller lire vos suggestions. On va sûrement trouver des petits jeux itch.io à faire. Et puis volo. Un indice. Est-ce que au moins je suis dans la bonne zone? Ou pas du tout? Enfin dans le bon monde, je veux dire. Après on explore, hein. Je pense que c'est bien d'explorer un peu. Ouais, j'ai pas l'air de pouvoir partir là-bas. Genre c'est une toute petite zone, la zone. La zone en Asie, c'est une toute petite zone. Allez, bah, regardez. J'XP un peu. Vous avez vu? Vous êtes fiers de moi? Toi, je te poignarde direct. Même pas, je te demande ton avis. Allez, bim. Oh yeah! Tranche de pain?
Pas du tout. Ah, vas-y, je vais te mettre un coup de boule, m'a saoulé. Bim! Il est mort là. Oui. Je t'ai proposé de faire la trad de The Letter. Ah, c'est le jeu dont tu me parlais la dernière fois? Tu veux faire la trad comment? Tu vas faire une trad pour tout le jeu? Ça va être long, non? Ah non, par là il y avait rien. On va partir là-bas. La zone a pas l'air si grande. Ça a l'air moins grand que la forêt, j'ai l'impression. Parce que là, déjà, il y a rien. Ah, c'est quoi ça? Ah. Ah, j'ai... non. Non, non. J'ai cru que c'était un endroit caché. Absolument pas. Ouais, par là, on y allait. Par là aussi. C'est là où je viens. Et là-haut, il y avait quoi? Ah, mais je retourne à la décharge, là, non? Ouais. Ouais, ouais. Je retourne à la décharge. Ah, en vrai, on a vu le lac. Ça a pas l'air si grand, ici, hein. C'est où les parents de l'oiseau? Ah, c'est là! Eh, c'est vous! Merci d'avoir retrouvé Canard Junior! Est-ce que tu peux arrêter de t'enfuir, petit chenapan? On est censé être en vacances. Donne à ton vieux père le temps de se relaxer. D'accord. D'accord, pardon, papa. Merci, voyageur. Mon fils a dit qu'il souhaitait vous donner quelque chose en guise de nos remerciements. Donne-leur le cadeau, canard. C'est quoi? Et voilà! Tu as obtenu un pissenlit. Ça, c'est mon fiston. Prochaine fois que tu vas aller dehors, tu ferais mieux de nous prévenir d'abord. D'accord? Tu ne devrais pas inquiéter maman une nouvelle fois, n'est-ce pas? Non. Parfait. Ça veut dire qu'on peut enfin passer de bons moments en famille tous ensemble. Maintenant, on va voir ta mère. Poup, 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 poup. Il fait quoi, mon pissenlit? Comment j'ouvre... Je sais plus. Je me rappelle plus de mes touches. Ah. 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 Ah, c'est là. Tout va bien. Non, c'est pas d'en goûter. On a pas mal de trucs, hein. Canette. Pissenlit. Un effet calmant enlève une émotion à un ennemi ou un ennemi. Ah, cool. J'ai masse truc en vrai. Hein. C'est vraiment cool. Ouais, du coup, est-ce que je suis dans la bonne zone pour la suite du jeu? Parce qu'en vrai, j'ai un doute. Hein. Tiens, je vais re-sauvegarder. J'ai un doute. Et après, là, je peux faire un voyage rapide vers l'autre. Je le dis, je veux bien, Mary. Ça te dérange pas. Ah, après, je suis pas allé par là. Je vais y arriver. Ah. Oh, mais attendez, regardez. Et oui, on n'est pas allé par là. C'est peut-être par là, non? C'est peut-être un indice, ça, non? Et regardez, c'est certificat de boule. Ah, j'ai complètement oublié de vous dire, du coup... vous l'avez peut-être vu, du coup, pour certains d'entre vous. J'ai encore dit, du coup, à l'aide. Je recommence à faire... je vous ai promis que j'essaierai de faire... de m'occuper des clips de Twitch. Bon, bah, c'est parfait, c'est par là. du coup, voilà, je m'en suis occupé. Je recommence à poster les clips de Twitch. Plus sur TikTok. Je pense pas que je vais recommencer sur TikTok. Honnêtement, j'ai re-essayé vite fait des TikTok dessins. Pff. Comme je vous ai dit, l'algorithme, il est pété du fion sur TikTok. Insta, c'est exactement la même chose, mais Insta, j'ai 10 fois plus de vues que sur TikTok. Bon, bref. Du coup, ouais, non, les clips Twitch sur le compte TikTok, je pense pas que je vais en remettre. En tout cas, pas pour le moment. Mais par contre, je les mets sous forme de short sur YouTube.
Comme ça, au moins, vous pouvez les revoir rapidement. Il y en a déjà deux ou trois. Non, deux encore. Deux que j'ai sorti là récemment. Et je vais essayer d'en sortir régulièrement. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tous les clips que vous faites. Pourquoi je suis tout seul ? Il n'y a rien ici. Attendez, mon cerveau vient de bugger. Tentacule sort du sol. Pourquoi je suis tout seul ? Où sont mes amis ? Là, s'il y a des combats, je suis là dans la merde, non ? Ça a l'air d'être grand de ouf. Les pastèques. C'est ce que je préfère en été. C'est le fantôme qui me parle ? Ça sent le souvenir ou le... Ouh là là. Ça sent le truc bizarre, non ? Est-ce que ça serait pas Basile ? Genre, vous voyez, de côté avec la couronne. Attendez, j'explore un peu tout. Il y a un gâteau. Un vœu ? Mais qu'est-ce que je pourrais souhaiter ? J'ai déjà tout ce dont je pourrais avoir envie juste ici. Je rappelle que Omori, à la base, c'est quand même un jeu horreur triste. Hein. C'est le drama un peu, Omori, hein, normalement. J'ai obtenu un donuts. Cool. Tu pars devant ? T'inquiète pas pour nous. On te rattrapera dans une minute. Ça sent le drama. Hein. J'ai un smoothie à la mangue. Mmh. Ah mince, j'ai loupé un endroit, attendez. Mion. Mion. Ah, j'arrive pas à avancer. J'ai pas envie d'être triste. Oui, mais triste, c'est plus fort qu'être heureux. Les cookies de Marie sont cuisinées avec bien plus d'amour que les autres. Je pourrais en manger pour toujours. Ça sent le petit crush de sur Marie. Super, et cookies, moi j'y ai pas le droit. Il est passé par là, le fantôme. Allez, il est là. Il y a moult chemins, j'ai envie de tout voir, mais d'un côté, je me dis qu'il faut peut-être que je suive le fantôme, quand même. Ouais, là, je pense que si je le suis pas, je vais me paumer. Ah, il y avait un truc là-bas. Attendez. Mion. Juste que je me rappelle du chemin après. Mi. Mignon. On est encore jeune. On devrait voir grand, non ? Bon, évidemment, pas de spoil si vous connaissez le jeu. Hein. Mais je sens que ça pue pour Basile, non ? je dis rien, mais... Et il est parti où, le fantôme ? Fantôme ? Il est là. Mais oui, c'est le fantôme de Basile, c'est sûr. Pourquoi c'est rouge ? J'ai un peu peur. Ok, changement d'ambiance. On n'a plus peur maintenant en montant les escaliers. Je dirais qu'il y a une image derrière, non ? Pas un carré genre plus clair ? Oh, c'est moi qui vois des trucs. Oh, une touche ! J'ai une touche. Touche. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Oh, tellement de trucs. Partition sur un pupitre. Toutes les notes ont été gribouillées.
C'est la famille de qui est derrière? La mienne? Oh, puis il y a une corde en haut. Je peux pas regarder le portrait. Une famille heureuse. Ah si. Ouais. Ok, on a vu Basile et on a vu une bestiole. Ah, de retour dans la zone blanche, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Coucou petit chat. Miaou. Qu'est-ce que tu attends? Oui, bah ça va, je vais me poignarder 2 secondes. Je regarde s'il y a un nouveau dessin. Je vais jeter un œil. J'adore ce dessin. Je sais pas pourquoi je le kiffe. Il faut absolument... Faites-moi penser, il faut absolument que je fasse un petit dessin comme ça sur... Enfin, dans mon univers à moi, mais avec à peu près la même... dans le même esprit. Ça serait trop bien. Et je le mettrai sur le Patreon, je pense. Je le trouve trop trop cool. Ça, on avait déjà vu. Ah, le truc avec le serpent, je suis pas sûr, non? Je sais plus. Celui-là non plus. Quoique les steaks, si les steaks, ça me parle. Je crois qu'il y a des nouveaux trucs. Hein. Ouais, c'est ça le monstre qu'on a vu là. Tu allumes ton PC. Ah oui, mais il faut les touches. Ah, et maintenant j'ai deux. Ouais, je pense que tant que j'aurai pas toutes les touches. Et l'ampoule. On dirait qu'il se passe un truc dedans. Non? Il n'y avait pas la petite spirale? Il fait noir comme dans un four, impossible d'y voir quoi que ce soit. Bon, bah, c'est parti. Hein. Poignarder, moi, bah oui. F comme fufide. Avec le petit feu sur la langue. Ouais, il y avait un truc derrière Basile, ouais, tout à l'heure, ouais. À ce moment-là, j'ai tout vu. Quand tu te tenais là avant, tu l'as vu, toi aussi. Coucou Pandaxou. Oh, ce quelque chose derrière toi. Oh là 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 là. Trois jours restants. Trois jours restants de quoi? Merci pour le follow. Ah, on est de retour dans la maison. Avec Omori qui est en couleur. C'est déverrouillé. Good morning. Alors, je sais plus si j'avais... Je viens de penser à un truc. Je sais plus si j'avais fait déjà la suggestion ou pas. C'est possible que je me répète. Mais je viens de tilter un truc. On a un Omori en noir et blanc et un Omori en couleur. Et on a des souvenirs qui remontent, etc. Du coup, le Omori en noir et blanc, ça serait le Omori du passé, je pense. Tous les moments où on est dans l'autre monde, c'est des souvenirs, etc. Enfin, je pense. Hein. Attention, pas de spoil hein, pour ceux qui connaissent le jeu, s'il vous plaît. Je fais des théories et tout, mais... Un tas de livres. Vieux ordinateur. Tu jouais à Blackjack. Vas-y. Blackjack. Okay. Tu as 100 dollars. Combien souhaites-tu miser? Je suis petite joueuse, moi. 5 dollars. Pourquoi il y a un requin? Blackjack. Bah vas-y, 25. Est-ce que je reste ou est-ce que je pioche? Je pioche. Je comprends rien. Pour rien du tout.
Tu as 80 dollars. 3 jours car on déménage. Maman disait que depuis un certain truc, il part dans 4 jours de la ville. Et Komori doit dire au revoir à ses amis qu'elle n'arrête pas de tenter de l'appeler. Ah oui, c'est vrai. Oh là, merci pour le... Vu que ça fait un moment. Merci pour le rappel. Tu as un nouveau message. Oui, donc là, oui, il y a des cartons partout parce qu'on va déménager. Et Mouette. Ah oui. C'est vrai qu'on l'a appelé Mouette. C'est maman. Comment tu vas? Est-ce que tu manges bien? J'aimerais rentrer aujourd'hui pour te voir, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour d'une grande promo sur les meubles et je ne peux juste pas résister à une bonne affaire. Tu peux t'occuper de toi pendant quelques jours, pas vrai? Après tout, tu es un grand garçon maintenant. N'oublie pas de finir tes corvées avant que je rentre. J'ai laissé une liste sur la table à côté de la porte. Ok, c'est tout pour l'instant. Maman t'aime très fort. Au revoir, chérie. Bzz. Ouais, alors, j'ai l'air jeune quand même, hein. Plusieurs jours tout seul, hein. D'intérieur, rien de spécial. Carton. Et hop, hop, hop. Non, j'ai peur. Je voulais voir la liste. C'est encore ma sœur. Ma sœur qu'on a refoule, hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Eh oh. Eh oh. Mouette. T'es là? Tu te souviens de moi? C'est moi, Kel, ton vieil ami. Ah, c'est Kel. En fait, j'ai remarqué le panneau à vendre devant ta maison. Et je... Maman m'a dit que tu allais bientôt déménager. Et je me demandais si tu voulais qu'on passe un peu de temps ensemble avant que tu partes. Ou un truc du genre. En souvenir du bon vieux temps, tu vois. Bah, je vais peut-être lui ouvrir quand même, non? J'ai pas eu le temps de voir la liste. Que souhaites-tu faire? Le fait que le jeu me laisse le choix, genre ça m'inquiète vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quelle? Alors on n'avait pas ouvert à la sœur, hein. Parce que la sœur, bon bah, si on a bien compris, elle est censée être morte. Donc c'était pas bien normal qu'elle frappe à la porte, je sentais pas. Mais bon. Tu veux savoir son âge? Oh bah pourquoi pas. C'est pas un spoil, non? J'ai déjà fini au Mori, donc si t'as besoin d'aide, bah c'est gentil. Ouf, quand même, ça a l'air safe. En vrai, ouais, bon, c'est quelle. Autant la sœur, c'était bizarre, autant là... Allez, j'ouvre la porte. J'ai peur. Ah. Allô? Je suis mort? Ils ont pas l'air si jeunes que ça en vrai. Ah, ils ont 16 ans. Ah oui, non, ils sont pas si jeunes. C'est ouais, c'est le graphisme qui nous font penser à ça. Oh, mais c'est tout beau, il y a plein de couleurs et tout. Ouah, t'es vraiment sorti. Je veux dire, bon, je vais être honnête avec toi, Mouette. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu sortes aujourd'hui, donc j'ai pas trop de plans. Ah, super. Oh, je sais! Allons à Obey. C'est le magasin de loisirs sur la place de Lointainville. Lointainville. Tu te souviens d'où c'est, non? On y allait tout le temps quand on était petit. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Ah, mais c'est ça, du coup, c'est sûr. En fait, quand Omori est en noir et blanc. Il y a une fusée qui vient de passer, là? Oui, c'est passé. Quand Omori est en noir et blanc, je pense qu'ils sont bien plus jeunes. Ça sent. Quand ils parlent, etc. Donc c'est bien des souvenirs, en fait. C'est bien du passé. Et là, on est dans le présent. Et du coup, il a 16 ans. Je pense que c'est ça. Hein. Putain, mais la voiture, quoi. Comme il roule vite. Vite. J'arrive pas à parler à l'aide. J'ai pas regardé ma liste des tâches, du coup...